Je te l'avais dit qu'on se reverrait bientôt. Tu vois, je t'ai pas menti. Si tu m'as suivi jusqu'ici, c'est parce que tu es d'accord avec les concepts que je t'ai démontrés. Et donc, automatiquement, tu as trois grandes qualités. Premièrement, tu es quelqu'un qui est capable de tasser son orgueil de côté. Deuxièmement, tu as une bonne humilité. Et troisièmement, tu es très ouvert d'esprit. Tu es aussi d'accord avec le fait qu'on peut améliorer ses compétences dans le domaine de la séduction. Tu as déjà regardé des vidéos que j'ai faites, tu as déjà lu de mes textes, tu as déjà fait le premier pas dans la bonne direction. En améliorant tes connaissances du domaine de la séduction, ça va te permettre de maîtriser tes conversations. Ça t'est-tu déjà arrivé d'être dans une date? Tu sais pas trop quoi dire. Il y a un malaise qui se crée entre toi et la fille. C'est pas vraiment ce que t'espérais. Je vais te donner les outils qui vont t'assurer de ne plus vivre cette situation-là. Ça va augmenter ton taux de succès avec les femmes. Qu'est-ce que le taux de succès? Je donne un exemple. Si tu rencontres 10 femmes, parce que tu es célibataire, puis tu sais comme moi qu'on ne tombe pas sur la perle d'aurore dès la première rencontre, OK? Fait que tu rencontres 10 femmes. Dans ces 10-là, combien de femmes qui vont être sous ton charme et qu'elles vont vouloir aller de l'avant avec toi, donc elles vont vouloir pousser une deuxième date? Et là, ce qui est important de mentionner, c'est que ça n'a pas rapport, toi, si t'es intéressé ou pas. C'est juste de l'autre côté. Est-ce que ces femmes-là, ils cliquent avec toi ou non? Donc, par exemple, si c'est 4 femmes sur 10 qui veulent aller plus loin avec toi, tu as 4 sur 10 de taux de succès, donc 40%. Mais là, ça se peut que tu me dises, « Ouais, mais moi, je veux juste une femme, j'en veux pas 4. » Mais c'est ça, c'est ce qu'on veut, c'est la perle rare. Alors, on a intérêt à augmenter notre taux de succès. Ce qu'on veut, c'est que quand tu vas arriver devant ces 10 femmes-là, que ça monte 7, 8 femmes, puis idéalement même 9 femmes qui soient sous ton charme, parce que quand tu vas tomber sur cette perle rare-là, tu vas avoir 9 chances sur 10 qu'elles te disent oui. C'est juste une question de probabilité. Donc, tu as tout intérêt à augmenter et très drastiquement ton taux de succès. Tu vas mieux savoir ce que tu veux chez une femme. L'importance de bien connaître ses critères, OK, ses critères profonds, puis ce qu'on veut vraiment d'une femme, ben c'est que ça nous permet d'être avec une femme qui nous convient beaucoup plus. C'est sûr que des fois, nous, en tant qu'hommes, hein, on se laisse aller, on laisse parler notre ami Willy. Puis là, ben on se retrouve à sortir avec des femmes qui nous conviennent pas vraiment, puis on a du trouble. Si tu veux éviter le trouble, il faut vraiment que tu connaisses tes critères comme il faut. Tu vas mieux connaître tes forces. C'est sûr que des fois, en tant qu'homme, on peut avoir tendance à se comparer à un autre, là, de se dire, ben là, qu'est-ce que moi, je peux apporter à la fille quand il y a d'autres gars qui sont super belles gueules, qui sont sportifs, ils ont de l'air d'avoir tout pour eux. Mais c'est ça l'affaire. Ils ont de l'air d'avoir tout pour eux. Mais en réalité, on a toutes des qualités. Toi, tu vas avoir des qualités que l'autre gars n'aura pas et vice-versa. C'est juste une recette différente que tu offres. Sauf qu'il faut que tu sois conscient de ta recette. Il faut que tu la maîtrises, ta recette. Fait que c'est pour ça que moi, je peux te montrer à maîtriser cette recette-là puis de faire ressortir ça pour que tu sois beaucoup plus « wow » aux yeux de la fille. Ça va te permettre d'avoir une vie de couple beaucoup plus épanouie. Si ce qui t'intéresse, c'est de trouver ta perle rare puis de faire ta vie avec, c'est certain que ces connaissances-là vont énormément te faciliter la tâche pour garder ta flamme le plus longtemps possible parce que tu vas être au fait de ses moindres désirs et ses moindres besoins. N'oublie pas, une femme comprise, c'est une femme heureuse. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que la phrase que tu as probablement en tête en ce moment, qui est « Christ, que les femmes sont compliquées », tu ne l'auras plus jamais, cette phrase-là, parce que tu vas tellement bien comprendre les mécanismes psychologiques de la femme que cette phrase-là, ça va être finito! Ça fait plusieurs années que j'offre du coaching en personne. Je peux te dire que j'ai 99% de taux de satisfaction. Je le sais, ça, parce que j'offre une politique béton pour le monde qui ne serait pas satisfait. J'ai vu quelques-uns de mes élèves depuis que j'ai terminé avec eux autres. Puis je peux te dire que ça a vraiment dépassé mes attentes. La majorité d'eux autres sont en couple. Une demande que j'avais souvent de mes élèves quand ils avaient terminé leur formation, c'est « Hey, as-tu d'autres choses? Y a-tu la formation continue? » Ils en voulaient juste plus. C'est pour ça que j'ai créé le service Ange Gardien. C'est quoi l'Ange Gardien? C'est simple. T'es avec une fille dans une première date, tu te demandes quoi faire? Tu m'écris. Tu te rappelles plus c'est quoi le kissing test? Tu m'écris. T'as une situation corsée avec une fille? Tu m'écris un email, c'est simple de même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu vas avoir accès à des capsules conseils exclusives que moi et mon équipe, on sort à toutes les semaines. Et en plus de ça, tu vas avoir accès à ces mêmes capsules-là, mais qui se sont accumulées avec le temps.
L'autre chose aussi, c'est que tu vas avoir accès à la formation en ligne, donc qui est ma formation en personne adaptée pour le web. Et sans oublier, tu vas avoir accès à un groupe privé où est-ce qu'il va y avoir d'autres hommes comme toi, et bien sûr, moi je suis là, où est-ce qu'on s'échange des trucs puis des conseils. Tout ça, tu as un accès illimité. Je viens de te parler d'une formation que j'offre qui est incluse dans l'Ange Gardien, mais que tu pourrais également prendre à part. Là, tu dois te demander, c'est quoi cette formation-là? Bien, c'est une formation en 5 étapes, parce que tout ce que j'ai appris dans ma vie, autant au niveau théorique que pratique, j'ai compris que ça prenait 5 étapes pour vraiment bien maîtriser les principes de la séduction. La première étape de la formation, c'est la biologie de la rencontre. La biologie de la rencontre, c'est quoi les différences hommes-femmes au niveau biologique? Et comment que ces différences-là peuvent venir influencer les comportements amoureux? Deuxième étape, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est quoi ma relation de moi avec le moi? C'est justement dans cette étape-là qui est très cruciale qu'on va vraiment découvrir les forces et ses critères. Troisième étape, savoir-vivre. C'est quoi ma relation de moi avec les autres? Un exemple du savoir-vivre, est-ce que j'ouvre la portière de la voiture ou je ne l'ouvre pas? Quand je l'ouvre, comment qu'elle perçoit ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Etc. Bref, on va analyser un paquet de situations comme ça. Quatrième étape, le langage féminin. Le langage féminin, c'est, comme tu le sais, les femmes, quand ils nous parlent en langage caché. Je te donne un exemple. Tu feras bien qu'est-ce que tu voudras. Ça ne veut pas dire tu feras bien qu'est-ce que tu voudras. Okay? Tu te dois de lire ce langage caché-là et d'être plus efficace là-dedans. Et finalement, cinquième étape, la cerise sur le sundae. La séduction, et là, on va voir les mille et une techniques de la séduction. Comment approcher à froid, comment approcher sur Internet, comment je fais pour savoir si je peux l'embrasser, c'est quoi les signes d'intérêt, c'est quoi les sujets de conversation qui sont stimulants, etc., etc. Avant, j'offrais le service Ange Gardien juste au monde qui avait suivi la formation avec moi en personne. Mais là, on a décidé d'ouvrir les valves, on l'a fait à tout le monde. Comme tu as vu dans le premier vidéo, une seule date au restaurant peut te coûter une centaine de dollars. Mais là, l'affaire, c'est que ça te prend plusieurs dates pour trouver ta perle rare. Parce que tu le sais, on ne tombe pas dessus à la première date. Puis en plus, tu n'es pas garanti d'avoir du succès. Je suis tellement sûr que ce que je t'offre, tu vas aimer ça, que je te donne le premier mois gratis. OK? À rien à payer. Fait que toi, tu l'essayes. Si jamais tu n'aimes pas ça, tu m'écris. Je te débranche, puis je te poserai pas de questions compliquées, puis d'affaires, puis il n'y a pas d'affaires de contrat, puis signe ici. Non, non, non. T'aimes pas ça, tu m'écris, je te débranche, fin de l'histoire. Fait qu'est-ce que t'as à perdre? Avec le service Ange Gardien, t'as un accès direct à mon expérience, mon expertise, puis en plus, à celui des élèves. Tu vas pouvoir éviter les erreurs que j'ai faites et rebondir sur mes succès. C'est simple, je te pogne, je te mets dans un TGV, puis je t'envoie vers le succès. Et tout ça pour le prix d'un dixième d'un souper au restaurant. On se revoit de l'autre côté. Salut!